Ouh, bonjour monsieur, Pensai Lai. Ça fait très peur, tout est en noir et blanc. J'entends même pas ma voix. Ça fait peur! Resident Evil Village. Oui, c'est le jeu. Regardez, il est dans mes mains. Poup, poup. Non, ce n'est pas une version presse. C'est une version dans la nature. Il est en ma possession. Nous allons le streamer et le découvrir. Cette fois, c'est pas la démo, c'est pas le truc, c'est pas le machin. C'est le jeu. La musique m'assourdit les oreilles, donc je parle très fort comme si j'étais sourd. Et on va profiter tout de suite de l'horreur sur Banzai Live. On joue sur PS5. C'est un hareng. Merci Pink Jessman. Vous charriez quand même. Les images de gauche disparaissent. Oui, oui. Oui, ça m'intéresse, madame. Est-ce qu'on veut regarder? On va se mettre le petit résumé quand même, parce que bon, c'est pas frais dans notre tête. Hein. Ok. Par où commencer? Mon nom, c'est Ethan. Ethan Winters. Cette histoire chez les Baker, ça s'est passé il y a 3 ans. J'étais à la recherche de ma femme disparue. Elle m'avait envoyé un email. J'étais RP. Elle me demandait d'aller la chercher. Et c'est ça la VF? J'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. M'envoyer un email? Je suis bu à Coca-Cola. J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Elle était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient pris là des patates. Étaient eux aussi infectés. Manger du caca. Les deux n'avaient plus rien d'humain. Ah, cette araignée, cette sale race, quoi. C'est une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. Tant qu'il n'y a pas Manuel Ferrara pour vous faire peur, le jeu passe. Hein. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Ça, ça m'en souvient. Et il y a Chris qui vient de chercher à la fin. Chris Redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvés tous les deux. Est-ce que ça ira? J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. C'est terminé maintenant. Alors attendez. Je veux accélérer la vitesse de la visée parce que ça allait pas du tout. On a le ray tracing. En HDR, ça doit vraiment être joli. Bon, je pense pas que le Virtual Surround se transparaisse vraiment dans ma capture, mais bon. On sait jamais. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en c'est ça, Halloween. Pour des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait,
s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait. Mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Mais je fais mal les voix d'enfant, désolé. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» Trop spécial. Et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse, mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Et pourquoi vous racontez ça à un bébé ? Elle dort. C'est le petit gros qui vend les trucs, on l'a déjà vu dans la démo. Pas des histoires moins flippantes. Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Selon ton nez de sorcière aussi, quoi. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement... On s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié ? Ma mémoire fonctionne très bien. Elle a déjà 40 ans en même temps, ta fille. T'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Oui, madame. Je vais préparer le dîner. Et là, il y a un retour sur les gâchettes haptiques, tu peux faire tomber le bébé. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Alors, juste pour info, les ozos, le son, il est à 100% sur Rec Central. Rien, je vais la coucher. Vous êtes tous plaints que la fable au début était trop faible. Je vous parie un truc, genre, dès qu'il y aura un bruitage d'un truc qui craque, vous allez faire « C'est trop fort, on t'entend plus !» Mais la fable était un peu sous-mixée par rapport au reste, du coup, c'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre une plage réduite, histoire que tout soit un peu fort. Et du coup, après, ça va être trop fort pour vous, il va falloir que je le change. Mais d'habitude, je suis en offset moins 7 dB. Quand on joue, par exemple, hier à Returnal, là, on est à 0 dB, hein, donc vous avez le son au max. Hein. T'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Mais putain, mais c'est quoi ce mariage cassé, là ? Bon, au moins, je suis riche. Mais pour oublier tout ça, on était pas obligé de déménager à Elm Street, quoi. N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Voilà. Vous avez un problème d'écoulement d'eau. On y est presque, ma puce. Cette chambre est beaucoup trop grande. Ah oui, d'accord, c'est la mienne. Non, d'accord.
Tu bois trop de café, Ethan. Est-ce que moi, je bois trop de café ? Bon, vous avez pas intérêt à te kidnapper mon enfant parce que... Bah déjà, je vous le laisse. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Maintenant, en marche noire.com. Oui, alors ils ont un compteur du dépistage d'agents pathogènes. Rose va bien. On rappelle, il y a le ray tracing. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on voit cette lampe dans la commode. S'armer pour la survie, manuel d'utilisation des armes lourdes. Parano. Je suis abonné à Alain Soral, c'est normal. C'est un hareng. Bah, c'est pas gentil pour le bébé, mais merci, Ask. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. C'est une vraie photo, là, le bébé, comme ça. Une petite femme de droite. C'est un hareng. Pourquoi ma femme a ouvert un compte TikTok ? Bordel de merde, je suis dans la peine. Je suis dans la peine. Merci, Mix62. Ah, ce tremblement de caméra. Est sous traitement depuis l'incident. Elle prend du cyanure. Va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. Et puis, il va falloir que ma maison arrête de me faire flipper, quoi. Le fin de l'enquête sur l'incident de Dulevé. Le rapport que les incidents ont fait plusieurs victimes. Quant au Winters, qui semble-t-il était également présent sur l'île du monde, on ignore toujours où se trouve l'heure actuelle. La zone a été vraiment fermée par les autorités. Personne ne se souvient de cette histoire. Bon, où est le petit cul de ma femme ? C'est un hareng. Non, c'est ma bonne femme. Elle dort comme un bébé. Merci, Chigo. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi ? Eh, bas les pattes. C'est une chorba de légumes. Une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Bah, on est au Maroc. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Vois ce petit boulawan. Grossesse, Chris qui nous amène ici. Elle fait un couscous et ça y est. Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Ça suffit. C'était toi, juste une pub Sopiqueur. Moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, merci, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Oh Dieu merci. Laisse-toi. Commencez à casser les couilles. Au moins j'aurais pas à avoir cette conversation. Désolé, Ethan. Non ! Désolé, Ben Affleck. Pourquoi ? Ah, elle va bien, quand même. On peut prendre des pincettes, s'il vous plaît ? Ah,
Avance! C'est fort, hein. Ça m'encule les oreilles. Rose, qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons, monsieur. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. C'est un zombie, quoi. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais, parce que... On ne parle quasiment plus que de ça. Enfin, le bébé a bouffé le chat, quand même. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça? Je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Excuse-moi, c'est mon plan cul. Faut que je réponde. Je fais sûrement que c'est le travail. Et après, on en parle! Oh là là! Wesker, enculé, je sais que c'est toi. Merde. Oh, j'espère que j'aurai pas... Moi, la vraie PLS, c'est si on m'explique que je dois livrer toutes ces lettres. Hein. Alors, il faut que tu ramasses toutes ces lettres et que tu les lises. Oh non. Oh, s'il vous plaît. Abattre la cible et récupérer les corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Transporter les Winters jusqu'au site C pour les examens approfondis de leur rectum. Au moins deux soldats devront les accompagner. Ils devaient tuer ma femme. Bande de salauds. Donc le jeu serait à 60 FPS sur PS5. En 4K Ray Tracing. C'est une belle prouesse. Mais bon, rappelons que le jeu tourne sur une PS4. Hein. Donc du coup, c'est pas du tout une prouesse. Rappelons que le 4K Ray Tracing fonctionne sur une carte graphique de... Première gamme, une 3060 Titanium. Permet d'avoir les mêmes résultats. Et il me semblait que le target était 45 FPS et pas 60 sur le 4K avec le ray tracing sur console. Annoncé par Capcom eux-mêmes hein, sur leur Twitter. Excusez-moi, je me grattais le nez. Et t'écorche pas la main. Oh là là. Putain, ça c'est vraiment, c'est pas un campagnard hein. Et si je voulais faire tout le jeu accroupi? Visiblement y a des trucs dans la neige. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air délicieux. Beaucoup de lumière dans la tête. Là maintenant,
Il y a une évolution par rapport à Resident Evil 4, c'est qu'on est obligé de pendre les corbeaux pour avoir leurs grenades qui lootaient. Je regrette tellement de jouer au casque. Merci. Merci Front Intense. Ah, le fauve est tellement bas. J'ai l'impression que le fauve est à 20 degrés quoi, alors que j'ai la tête dans l'écran. Bonjour. On dirait pas, mais en fait, là, c'est... il est 14h en Finlande. Hein. C'est... Pour moi, c'est normal, ça. Hein. C'est genre, quand j'allais chercher mon courrier, c'était comme ça. Hein. Avec un fauve aussi réduit. Ouais, parce que j'avais bu. Je picolais beaucoup. Le fauve est infernal, quoi. Bah, et le Chris Prowls, t'en as pas envie ? Non, c'était une brosse métallique. Ethan Winters, le sens des priorités. Ouais, prends les économies grâce à moi. Bon, au fait, où est ma fille disparue ? Je prendrais bien un petit Xanax, moi aussi. Ouais, 2 secondes déjà. Je suis pas un voleur, rassurez-vous. Je fouille juste partout des fois que ça looterait. Le mec entend clairement du bordel là, genre poup 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 poup. Merci Yusira. Saloperie de vegan de merde. Au moins c'est pas des vampires, ils ont... Oh mon dieu! Moi aussi je suis fan de métal. C'était bien la pochette de Marilyn Manson, Hollywood Superstar Antéchrist. Oh putain! C'est bizarre, le son dans le fond il a l'air hyper compressé quoi. Alors je l'ai entendu comme s'il sortait d'une vieille sono quoi. Alors visiblement on ne peut rien faire ici. Écoutez, pour l'instant pas terrible ce nouveau Elder Scrolls. On va les regarder en haut. J'étais là genre, mais il bouge pas ce rat, enfin ce renard. Parce que ma cousine, il y a vraiment un renardo qui s'est incrusté dans son grenier, et elle sait pas où est la maman. Ça vous intéresse ou on continue à jouer au jeu? Mais oui, mais en même temps, tu as touché du fil barbelé avec tes doigts. Rouillé en plus. Tout le reste du jeu est une hallucination à cause du tétanos, quoi. Bah, visiblement, il y a clairement un personnage acmé qui a fait un trou dans ce machin en poursuivant Bip Bip, quoi. Ah, mais on peut courir, nickel. Ça y est, c'est le speedrun. Non, par contre c'est grave beau quoi. Et encore hein, là j'y joue pas en 4K. Là j'y joue en 1080p.
Sans HDR, sur mon OLED, ça l'a vraiment craché. Hein. Mais bon. C'est vrai que si tu mets la musique de Skyrim, je pense que ça passe crème. Mais bon, ça niquerait peut-être l'immersion. En plus, je vais jouer comme dans un trailer de jeu vidéo, quoi. Ça demande beaucoup de doigté. Je suis Steadicammer pour les jeux vidéo. Le filtrage anisotropique laisse à désirer là. C'est un rang. Ça demande énormément de concentration et de retenue pour jouer comme ça. Imagine tout le let's play comme ça.
Oh putain, il casse les couilles. Bon, on vous met l'ambiance du jeu, voilà. On dirait qu'il y a un tracteur au fond de mon cerveau qui me gratte la tête. C'est parti, on va s'emmerder. Forcément ici. Quelqu'un qui sait pas faire la soupe. Cette chorba est dégueulasse. C'est pas une vraie daronne algérienne. Tiens, mais comment vous faites ? Quel est votre secret, Capcom, pour arriver à ce niveau de détail et 60 FPS ? Bah c'est facile, rien n'est interactif. Ah, mais putain, mais oui. Merde ! Merde ! Mais ça, c'est un rideau, quoi. Genre, oh non! Ah! Non! Du calme! Du calme! Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne! Il y a eu un accident sur la route. Chut! Vous le voyez, vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue! Bon, pourquoi? C'est tout ce qui me reste! Prenez-le! Prenez-le! Quoi on fait? Vous allez me répondre? Ten Winters qui est là genre. Putain. Arrêtez de me faire croire qu'il y a des trucs invraisemblables qui se passent hein. Monsieur, vous êtes flippant. Faites pas le dingue comme s'il y avait des zombies dans la vraie vie ou je sais pas quoi. C'est un harangue. Merci Rory Raymond. Mais touche pas des cadavres. Oh la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Il y a quelqu'un qui est en train de faire des pompes au loin. On va aller voir. Attends, on peut quand même pas passer au mode photo là. Non, c'est le mode photo, mais quand t'es dans une cutscene, tu peux pas t'amuser à faire des trucs. C'était quoi, bordel ? Oh putain que c'est de la merde, l'accélération de la manette. On en avait parlé dans la démo. C'est une immondice. C'est quoi ce bordel?
Non, non, attendez. Ne vous trompez pas de bataille, les amis, dans le chat. Returnal, qui est un vrai shooter, il n'y a pas ce... Quel est le souci ? Le souci, c'est 1 ! Regardez comment je tape dans mon stick pour qu'il se passe rien. Et encore, j'ai activé, j'ai augmenté la précision de la visée. C'est pas bien. C'est nul. On va voir si ça nous convient. Regardez le temps qu'il faut pour se retourner, quoi. Là, je suis à 5. On va dire que c'est un peu mieux, quoi. Mais les contrôles par défaut, c'est vraiment... Ce qui est bizarre, c'est que la PS5, elle a vraiment un très bon contrôle, tu vois, genre vraiment... Le stick, il est très smooth, donc tu peux vraiment doser ton accélération de stick. Et le jeu joue pour que tu bourres ton stick, quoi. Ah, oh, c'est bizarre, je peux plus ouvrir ce portail avec une photo. Et du coup, on a gaspillé énormément de balles. J'ai une balle. C'est bon, j'ai mis du mercurochrome, c'est le pansement des héros. Bon, maintenant qu'il est mort, il y a peut-être des choses à récupérer. Pépé ! Oh, le coup boulon de la mort ! Peut-être utiliser ma photo de famille ou mon coup boulon ? Bah dis donc, il est ivre mort celui-là. Merci d'avoir sous-titré rien. Oh mais le petit il a rendu. Ethan qui court au ralenti quoi, genre. Il fait ça, c'est vraiment genre, vite, allons-y. C'est genre, il va pas vraiment plus vite, mais il est là genre, je marche. Cours ! Mais tu n'as... Cours avec tes pieds ! Ah pardon, excuse-moi, je cours qu'avec mes épaules. Ah ! Mais c'est une marche, ça suffit. C'est un rang. Merci, Andresde.
En fait, j'ai défoncé l'effet de surprise en appuyant sur triangle au lieu d'appuyer sur croix. Caméra quoi. Oh putain, c'est insupportable à jouer. Ah mais j'avais oublié la visée à la Call of Duty. C'est moi la paix. C'est fini. Bon, le ressenti du flingue est assez naze. S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants? Ah non mais franchement, rien que pour ça, ça donne envie de brancher un clavier souris, c'est chaud quoi. C'est pas comme si Capcom savait pas faire des shooters, quoi. Ramasse ça, mon Dieu! C'est un harangue. Ok. C'est bien. On peut pas fermer les portes. Bah je vais descendre là quoi. Y'en a de plus en plus. La musique met vachement la pression quand même. Ah d'accord, c'est Tomb Raider le bordel. Ah
Alors, je vais pas tout me faire, hein. Je vais pas tout me farcir, les mecs, hein. Dragon ou quoi? Le Père Noël en guest star là comme ça? Crever avec leurs conneries. C'était scripté. Rendez-moi mes munitions. C'était encore plus scripté que Resident Evil 4. Resident Evil 4 qui est moins scripté que ça. Ça sera bon Noël. Je voudrais un camion de pompiers, s'il vous plaît. Oh, il est classe par contre, il a grave la classe. Mais est-ce que ces chevaux sont des chevaux zombies ou est-ce qu'il y a un zombie qui est préposé au foin? J'ose poser les vraies questions. Et y'a Mamie Nova. Attendez. Il a changé Vitalis. Rendez-moi mes armes. Rendez-moi mes munitions, putain. Alors, les combats sont ultra foireux, hein. Mais bon, c'est Resident Evil, donc en fait, y'aura pas trop besoin de se battre. Sauf dans des moments comme ça où il faut se laisser mourir. Je me demande si tu peux te laisser mourir et du coup tu commences avec plus de munitions. Parce que le jeu te dit de te soigner, mais en fait il te dit pas que en fait ça va bien se passer quoi. Je me sens arnaqué.
après, c'est joli, hein. Ils sont partis parce qu'il y a une cloche comme dans Resident Evil 4. T'as cru que tu jouais à un autre jeu, toi. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Réaction tout à fait normale. Vous entendez? Après avoir vu un Père Noël géant et sa horde de Uruk-hai. Le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Miranda, faut connaître. Oh, good morning. Rose est ici. C'est un hareng. Merci Petruccia. Petrucci. J'adore que genre... Le mec vient de voir... un groupe d'orques level 20 avec son dreadnought papy Mojo. Genre, madame, c'est dangereux ici. Il se passe des choses pas normales. Vous devriez pas rester dans ce chemin boueux à tracer des glyphes avec vos crânes humains. C'est pas une activité à faire maintenant. Mais vous m'inspirez confiance. Tu te fais agresser par... le père fouettard, tu croises un mec en train de faire des glyphes païens et de prier Satan avec des têtes réduites sur les épaules en collier. Tu fais pas genre, monsieur, vous êtes fou quoi de rester ici? C'est le confinement. Ah oui, là il y a une serrure. Il faut se souvenir que là il y a la serrure que tu peux crocheter. Regarde, on peut même pas allumer ces petites bougies là. C'est un hareng. Merci roi ours. Je me demande combien on est, mais j'ai pas la foi de regarder sur Twitch. Je regarde que le chat en grand. Oh. Alors du coup, est-ce que c'est vraiment mappé comme la démo? Ah ouais, on a 2300k, ouais. 2300k, hein. Vous êtes 2 millions. J'ai quand même la musique de Morrowind dans la tête. Ah, il faut un objet. Il pourrait pas genre dire une clé à molette quoi. Je crois qu'il faut un objet. Peut-être 143 de QI, mais lui il a les deux restants pour faire 145. Hein. Ah non, j'étais à 145 de cube, il avait 5 restants pour faire 150. Tournicoti, tournicoton. C'est vrai que même ça c'est fermé. C'est un hareng. Merci Pascalito. Souvenez-vous. Il faut compléter la porte. C'était dans la démo. Tire dans la chèvre, 100% c'est possible. Ah! Bien joué. Alors pour aller à Skingrad, c'est par là. C'est un hareng. Merci Xand. Ah oui, là, il me faut la clé fœtus. Il me faut la clé Dying Fœtus. Très bon groupe. Hein. Ça, franchement, c'est une pochette d'album en devenir. Hein. C'est... Les gens pensent qu'on est dans la démo, du coup. Genre, mais pourquoi tu fais un live? C'est bon, c'est la démo. Je l'ai faite chez moi. Aha. Oh, la Vierge! Ethan Winters détestait les femmes vierges. Il se sentait sale lui-même.
La clé Dark Vador. On est d'accord, hein. On est d'accord que c'est Dark Vador. C'est Dark Vador. Avec une moustache. Dark Vador chaton. Est-ce que vous le voyez ou pas, le Dark Vador avec des moustaches de chat? On sait jamais qu'il y a des trucs un peu différents. Voilà, bah j'habite là maintenant. Ouais. Resident Evil, ça a toujours été ça, hein. C'est genre, mais pourquoi j'habiterais pas dans ce placard? Et les zombies peuvent pas venir. Ah, une mine. On voit l'inventaire. They call this a mine. A mine! T'as oublié de tirer sur l'œil de la chèvre sur le bouclier. Mets la tête. C'est chiant de cliquer sur les trucs en fait. Ouais, je connais. Hé, vous faites quoi ici? Approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je veux pas la passer, hein, c'est... Vous êtes sur des gens normaux. C'est le jeu. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Je l'ai acheté assez cher. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Mais tais-toi. Il n'est pas d'ici. On aime pas trop les gars dans votre genre, Margello. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang, il faut qu'on aille chez Louisa. Mais non, votre porte est en scénarium, qu'est-ce que vous racontez? Allez, habitez dans ce four à pizza, mettez-y un... Sans faire aucun bruit. Un peu de foin, je sais pas. Jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Restez ici pendant que je vole vos munitions. Et ouvre le portail. C'est un hareng. Merci Archer. Et là, faut la petite clé tourniquet, oui, c'est ça. Venez, les zombies font dodo. Vite, vite. T'en as mis du temps. Ouais, ouais, c'est ça, de rien. Cette racaille, Ethan. Il a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. Je pense qu'il a pas l'habitude de compter tout court. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Mais ouais, j'habite pas là. C'est mieux qu'à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Vous êtes dehors? Hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. C'est un hareng. Merci, Carnator. Papa! Il faut qu'on entre! On en parle que Ethan dit juste, genre... C'est un truc de malade, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi un petit peu ce qui se passe. Il est pas là, genre... T'accroches, non, mais papa. Attendez, genre... J'ai déjà vu des gens infectés, mais le Père Noël qui saute là, avec son marteau, j'ai beaucoup trop de questions. Il saigne tellement. Et pas juste genre, c'est vrai qu'il se passe des choses bizarres dans cette ville. C'est non. J'ai croisé un homme de 6 mètres. Il fait des bonds de 20. Théo, y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier!
Tu vas attirer les monstres. Julianne, du calme. C'est qui lui? Mon ami. Reste où t'es. Papa, je t'en supplie, Julianne, laisse-nous entrer. Julianne qui a 60 ans. Vous nous mettez en danger. Mon père Merci, a Shinchio, besoin d'aide. Gamine. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Oh, allons, ces gens sont nos amis. Allez-y. À moi. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Moi, c'est Ethan. Julianne, rends-toi utile et va faire une ronde. Va mourir, s'il te plaît. Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Mais votre porte va pas nous protéger si le Père Noël revient. Il est vraiment gigantesque. Restez ici. Je vais voir les autres. Bon. Louisia, une partie du bétail a encore été tuée. Ces continents ne passeront pas l'hiver. Quant à Ernest, mon oncle, il a disparu. Nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné, MDR? Et je me fais tellement chier que je regarde vos photos de vacances. Suivez-moi. Ouf. On est sauvés. Accroche-toi bien à ton flingue, vu que t'as pas de balle. Venez, les autres nous attendent. Ah. C'est qui, lui? Un étranger? Vous allez tous nous faire tuer! Hinton, du calme! Hinton, vous avez raison, mais... Taisez-vous. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants de tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y'a pas de survivants! Un pauvre invalide! Une conne qui arrête pas de chialer! Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri! Tous les connards dehors se sont fait triper! Mais que fait cet homme du 20e siècle en 1810, quoi? Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. De toute façon. Mais la veilleuse, Roxana! C'est ça suffit! C'est clairement une fiction cette parce que. A protégé ma famille durant des générations. Ce, et ivre, ce genre non, de. Chacun est le ce genre de village rural, il n'y a plus aucun jeune dedans. Hein. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Je vais peut-être commencer à m'énerver. Dieu est tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Hey, t'as pas vu le match à la télé, mais on vient de se faire botter le cul. D'autres. Attendez, Louisa. Où est votre Fermez mari? Votre gueule. Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Bonne idée. Approchez. Ça nous a sauvés jusque-là. Vraiment, rien de terrible nous est arrivé. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice. On peut pas juste la lumière salvatrice. Changer nos pépés sur Instagram? Et la mort. Nous te Ce serait moins pénible, non? Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Le thé? C'est de la merde, ton thé! Ce mec casse ses couilles tout le temps, quoi. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Si. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. C'est un zombie. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas?
Si seulement j'avais un flingue. Papa ! Elena, non ! Restez là ! Non ! Laissez-moi ! Oh non ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Et il avait prié, je comprends pas. Oui, c'est vrai que de toute façon, il t'attrape. Laisse-le. Je nous fais gaspiller pas mal de balles, hein, quand même. Toujours trop fort dans mes oreilles. Ça hasta la vista. Oh mon Dieu. Je te demande pardon, papa. Hey, regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Il a dit qu'il voterait Marine Le Pen. Non, non. Vous sentez pas trop. Y'a plus rien à faire! Papa! Tu risques de s'effondrer! Non! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non! Non! On va sortir d'ici tout. Faut que je sorte d'ici. C'est la pire date de ma vie, quoi. Avec ma main de mudocon, là. Oui. Merci, grosse mine. Pour les 100 000 bits. C'est des fous. Un petit sac d'or. J'espère que le farfadet va pas m'en vouloir. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette... En fait, vous avez totalement l'électricité. Pourquoi vous étiez au feu de cheminée à l'intérieur? C'est votre délire. Hein. Merde ! Le feu gagne du terrain ! Et vais-je utiliser la photo de ma famille ? Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Quelque chose de très con. Merci, grosse mine. T'aimes pas les jeux d'horreur, mais tu joues à tous les RE, y a une raison à cette exception. Mais j'ai jamais dit que j'aimais pas les jeux d'horreur. Laissez-moi essayer. Ça brûle. On n'a plus le temps. On a plus le choix, faut monter. J'aime aucun jeu, exactement. C'est genre... Allez, vite. Je n'aime aucun jeu. Essayez de pas respirer la fumée. Et surtout, les Resident Evil ne sont pas des jeux d'horreur. Je sais. Merci, Ethan. Le but des Resident Evil, c'est pas la jumpscare et. J'espère que votre famille. Par le mongol en webcam. Hein. Non, c'est bon. J'ai un petit déjà vu quand même. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter, il y en a trop. Non, 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 tout va bien se passer. On va vous allez faire semblant d'être une statue de cire. Je trouve ma fille. Surtout ne laisser transparaître aucune émotion. Non. Émotion là-bas, et puis rester. Vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort.
Mais je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Ah, écoutez, dans ce cas-là, on habite dans ce grenier. Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! C'est moi ! Je reconnais ! Papa ! Mais c'est trop dangereux ! Allez, bougez pas ! Tenez, attrapez ma main ! Hey, utilisez votre père comme marchepied, enfin ! Ethan, partez ! Sauvez votre fille ! Oh, regardez-moi ! Donnez-moi votre main ! Putain de merde ! Comment il disparaît, quoi ? Pourquoi est-ce que tout le monde meurt ? Cet instant de lucidité, quoi. C'est horrible. C'est nul un peu. Le père, il disparaît, genre... Comme un flamby, quoi. Je comprends pas. Les gens, ils meurent et tout. Pourquoi ça commence ? Pas trop près la texture, s'il te plaît. Blé. Je suis traumatisé. Et pourquoi ça recommence ? Et pourquoi je vole ? Pourquoi je vole cette dalle en pierre ? Ah, c'est le papy du début. C'était qui ? C'était quoi ça ? Pourquoi tu voulais que je regarde la pierre ? Je crois qu'on a fait la démo, quoi. La mort. Oui. La mort leur a tous rendu visite. Vous allez faire quoi ? Pourquoi quelqu'un a fait genre « Regarde vite la dalle, c'est important !» J'adore quand vous êtes nombreux, mais malheureusement, du coup... ça fait baisser le QI moyen, j'ai l'impression, quoi. Oh, la démo ! Oh là là, regardez, c'est le vrai jeu ! Rien d'autre que le sang et la mort. Hein ? Oui. J'espère que vous êtes moins de 30 parce que j'aurai pas de munitions après. Ah. Ah bon. Ah mais le jeu est beau, hein, pas de problème. Hein.
C'est un hareng. Là, surtout ça, là. Merci Sancho, le coup, bam. Ça, ça c'est stylé, les amis. D'ailleurs, attendez. J'ai pas un filtre, là, sur le... C'est un hareng. Non, non. Je trouve l'image vachement... vachement grisâtre sur mon retour par rapport à ce que j'ai sous les yeux. Ah, les textures, elles sont super classe. Hein. Surtout ne mange rien, Ethan, hein, qui a besoin de se sustenter. Tiens, tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Highlander ? Tu dois être un dur à cuire, toi. Hmm ? Vous êtes qui, vous ? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Merde, j'ai rien demandé. Mère va t'adorer. Ah, le fameux. Arrête de geindre, on y est presque. Mais si tu contrôles le métal, pourquoi tu portes ton marteau? Ruzar Early Years. Quand t'oublies ton safe word. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus que je vous dis, c'est mortel à la famille. Mais quoi? Laisse-moi voir. Donc, fermez-la, vous deux. En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi, et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. Je peux avoir la tête, madame. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres. La grosse dame, elle est là. J'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça. Continue à grandir. Ta tête rattrapera peut-être ton égo. Bon mot à dire, non? Bonjour. Je peux parler? Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci. Licor et messieurs. Ce popotin. Merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que tu as de l'autre. Ethan Winters. Ethan? T'es prêt? C'est Ethan. C'est vraiment stressant. 7, 6, ah, je 5, joue pas encore, ok. 4, 3, 2, 1, le spectacle commence. Ah, putain de merde! C'est ça, cours pour ta vie. C'est grave cool en vrai. C'est très bien, Ethan. C'est beau de ouf. Oh non! Ça sent bon Noël! Noël! C'est la saison des rois mages! Qui vous délivre un message d'amour universel!
J'entends pas ma voix, donc je gueule comme un veau. C'est très très beau en tout cas. Toujours en vie. Impressionnant. Mais je vous ai filé mon numéro quand ? J'espère qu'on revient dans chacun de ces endroits et que je vous pète la gueule, grave. Oh mais merde, personne a réparé cette barrière ! Merde ! Alors, tu es vraiment aussi fort qu'on le dit ? Oh, c'est rien. Tu pensais quand même pas que je te laisserais partir, si ? Je dois continuer à divertir Donna et Moro. Il est donc temps de passer au clou du spectacle. Attention, ça va se saigner. Rien de tel que la viande hachée américaine. Comment j'ai survécu à ça, quoi ? Oui, s'il racontait pas sa vie, t'aurais plus l'impression que c'est un vrai moment de jeu, quoi. Rose. Ça va, pas trop traumatisé, ça va. Il est là genre, attendez un petit peu que je m'en mêle. En plus, ils m'ont laissé mes armes. Et ma mine. Heureusement que j'ai pas lâché une mine sous sous Lady Dimitricus 10 mètres du cus. Enfin, 10 mètres de cus en partant, quoi. Fouillez-le. Il a une mine antipersonnelle, un fusil à pompe, un flingue et 300 munitions. Très bien, je voulais juste savoir, rendez-lui. Ah, du coup, on revient là. Donc maintenant, plutôt que de m'enfuir, j'y vais. En HDR, ça, ça doit être vraiment magnifique. Hein. Franchement, je referais peut-être une run en mode genre je rattrape, mais juste pour refaire le jeu un peu en speedrun sur ma télé, quoi. Parce que ça envoie vraiment du pâté, quoi. Merci, hein, si vous avez aimé le dernier Hard Corner. On est presque à 200 000 vues en 24 heures, c'est cool. Vous savez, je vous attendais, Monsieur Winters. Ah, j'adore ce doubleur. C'est mon nom. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Oui. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici. Non. Je me présente. Je suis le duc. Parlons affaires, armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. C'est vous dans Dune. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Besoin d'argent ? Alors je pourrais revendre un remède, des munitions, le flingue, la mine. Je vais vendre la mine. J'ai de nouveaux articles pour vous. On peut améliorer le truc, ou alors on peut... Putain, c'est si cher, 10 000 pour la grande valise. La formule des mines, la formule pour les munitions de sniper, la formule pour les cartouches de fusil coûte 3 000. La détente sensible pour le fusil... Oh là là, ça coûte une fortune tout ce bordel. Dans l'atelier, si je veux donner plus de puissance à mon flingue, ça coûte 6 000. Ah ouais. Oh là 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 là. J'ai hâte de voir. Lampe à huile, corps de bombe. Il avait un petit cigare dans son cul. Enfin, l'animation, elle est grave cool. Hein.
Mais attendez une seconde. C'est un hareng ? Merci pour le son 3D de quand il se fait une petite branlette dès que je pars, quoi. Bah, écoutez, franchement, quand vous aurez eu des enfants, on verra si votre bide est aussi est pas aussi distendu que ça. Hein. Le jugez pas trop. Hein. La ceinture abdominale peut s'affaisser. Hein. Et y a pas de honte à avoir donné la vie. Par contre, comment il fait pour pisser, c'est un mystère. Est-ce que je vais mourir? Oui. Nya. Bien sûr, les poteries, faut les défoncer, mais les commodes, n'y touche pas, ça coûte cher. Je compte bien ensuite revenir et tout revendre dans un Emmaüs. Mais je vous ai vu, c'est des vrais laidrons, les vrais. Celle qui est en poupée, elle est assez malsaine. Hein. L'autre, c'est juste Quina dans FF9. Quoi. Il ne se passe rien. Ah oui. Resident Evil 8. Hein. Donc en fait, on arrivait par là. Ce manoir, il est grave cool. Hein. Il y a vraiment... Tu vois, c'est vraiment ce à quoi tu penses quand tu penses Resident Evil. C'est aussi beau que les décors pré-rendus de Resident Evil, le remake, qui ne s'est jamais appelé Rebirth. Là, il y a quelque chose sur lequel ils ont vraiment réussi à mettre le doigt, et ça, c'est vraiment cool. Ah, du coup, il habite pas là. Mais bon, c'est déjà accommodé, quoi. Il y a déjà son siège, son bavoir. Il y a déjà le Tricky Bee qui est là. J'ai trop hâte d'y jouer, bordel. Ah, petite salle de sauvegarde, petite musique. Et les décors est vraiment grave cool, hein. Franchement. Ça, c'est vraiment les graphismes, tu ne pensais pas que tu pourrais voir des jeux comme ça. De ton vivant.